Ancien sénateur Jacques Sauvageon, mesdames et messieurs, sorti dans silence li matin dans émission Matin Débat. À mes côtés, ancien sénateur a sorti corriger Kayel Luis Abinadel, et bien qui sanctionnait lui-même avec Louko Désir comme de nèg qui a supporté canal là, qui a supporté travail construction qui a fait sous frontière. Et bien nous connaissons Jacques Tito qui lui-même gagne on usine du riz et qui a bail bon service. Donc un peu le monde trouvait ça assez bien et au bat bravo, félicitations pour Jacques Sauvageon et qui est Jacques Tito avec qui les mêmes sanctions. Et ben monsieur Paquier qui était monsieur fait connait pas jamais en République dominicaine, bon pour ça que son compte lui qui ça sanction a retiré sur lui parce que lui même dit dans pays il a travaille, il a fait bien, il a fait business, la si entrepreneur lié qui donc l'a fait affaire. Ben qui était Abinadel avec sanction le prend yo. Et ben le code des tout peut-être ben qui lui même je dis a trouvé ben Abinadel président dominicain allé trop loin parce que monsieur pas cap sanctionner nèg cap ben investi dans bagaille bien cap fait la caillou qui sont pensoi. Est-ce que c'est au président Lila, est-ce que c'est au président Haïti? Et ben le Abinadel nous connaît très raciste envers haïtien et je dis à nous ben comportement monsieur donc monsieur pas vle haïtien même et tout le monde ouais ça avec divers l'autre monde. Eh bien, cap supporter nan pouvoir là. Eh bien, je dis à la, ancien sénateur qui dit même répond, président dominicain Luis Abinadel, et wap saisi dans un gros dossier, eh bien, Jacques Sauvageon lui même li mette de yon, et gen Lokoto qui répond à Abinadel. Dossier Kenya, c'est ça qui va être chargé. Ariel Henry finalement perdit bataille là, parce que, donc, opposition dans le pays Kenya pas d'accord. Donc pour forcer sortir Kenya pour entrer en Haïti. Yo campé en quoi temporairement et ben compte décision ça et tout détail c'est en dans vidéo ça entendez n'a tourner. C'est débat et ni moi ni vous nous c'est de sanctionner dans dossier et canal sous rivière massacre donc par la République dominicaine. Qui appréciation qu'on fait de décision Abinadel finalement? Li wèl pa ka kembe, li mandé li décider ouvrir frontière là donc demain pour Haïti. Est-ce que au niveau de Wanamet, est-ce que nous-mêmes au niveau de Wanamet, et comment nous comprenons et décision ça, est-ce que nous pouvons marcher là-dedans? La note du gouvernement, donc avec qui lecture, avec qui lecture que nous faisons de note là, donc qui appréciation nous sur question ça jusqu'à aujourd'hui à la sénateur Jacques Sauvageon, bienvenue à l'émission Matin Débat. Bonjour Loupo, bonjour à toute l'équipe. On est de loi à croix, je ne sais pas si les gens apprennent tout. De loi, on n'est rien. L'apprennent tout quand même. C'est moi qui danse dans la tête, monsieur. C'est moi qui bon, Jean. Très bien. Le coup, il est normal que yon habite qui on fait, yon habite qui pas. Vraiment jouer rôle d'habitude sanctionné dans foot nos match Romario et Bebeto. C'est-à-dire que voyons que ou dans Brésil moi même c'est Bebeto ou même c'est Romario donc sanctionnant c'est l'intention n'importe habit qui te veut voler un match. Mm. Tous les sanctionnés ou mettre compte c'est parce que ont remarqué que c'est des joueurs qui ont marqué des goals en faveur de l'équipe là. Très bien. Donc je vais jeter dans le revers demain dans le premier temps. Mais nous avons profité de moment ça sur podium radio ouais Matin Débat pour me capable remercier du plus profond de moi-même de tout cœur président Abinadel pour m'avoir sanctionné et aider m'a réveiller à travers comportement inapproprié et avec des actions disproportionnées face à la question de canal. Et d'avoir réveillé la conscience nègre et fait de Haïtiens, je dis à une nation des plus sollicitées dans le monde pendant qu'il y a une guerre en Ukraine, pendant qu'il y a une guerre en Palestine, en Israël, et puis nous-mêmes, c'est pas un grain de fusil capturé, c'est une question de pelle qui a brûlé nos canals, et puis nous, la vedette. Donc, Abinadel, il faut avoir le courage de le remercier en tant que président et qui a cette dimension de pouvoir nous aider à réveiller la conscience nègre. Donc, Abinadel, moi, je crois que son nègre, que nation, nous avons une grande reconnaissance vis-à-vis de lui-même.
Gen moun di la ou el malou, jan di la men, le nou koni zakito, nou met konen sa map di a bon sens. Parce que jodi a, si nan plas gouvernement haïtien, si a riel an, li ta vle pale, mwen premier sa map fè, kom etan donè ke mwen pa kwe ke gen tout légitimité sa pou l'pon an grosse décision sa yo, men sa yo ta kapab ou fè jwen légitimité. Parce que légitimité vle di ki sa. Légitimité vle di que des actions qu'on posait et puis moun approuvé. Ça veut dire que yon barrière qu'on franchit et que moun l'autre moun qui pas franchi barrière avant approuvé. Si on bonne n'importe l'autre explication dans le dictionnaire, on met pas occupé. Parce que quand on est légitime, quand on a cette légitimité, c'est le fait que on a approbation de moun qu'on prend décision pour yo yo. Donc si on a une chance pour qu'on ça moun yo penser à l'avance ou tout gain légitimité. Donc, gon légitimité politique électorale que Ariel Henry dépouvé le délit, il n'a pas gagné aucun dans ça, mais il a bénéficié de sa légitimité patriotique ou nationale. Et ça, t'a capable de faire de lui-même un monde qui classé au lieu comme un gros pampan, même genre avec Abinader, un gros imbécile dans l'histoire, il a capable de prendre un rôle, il a quand même mis dans la liste de héros. La première décision qu'il doit prendre, c'est de faire sortir une note qui pourra rapatrier toute diplomatie en République dominicaine. Pas ouais. Question d'un nègre qui vient sur table manger sa petite de l'autre bord là toujours, et pour le boucaner, à flâner, au frais de la République. Non, République qui gagne autant de conflits directs avec nous. C'est-à-dire que la première décision pour le faire, c'est pour le fond notre sortie, pour le rapatrier, pour le rentrer tout. Diplomate li, qui était seulement moun kap balé, moun kap suyé en dans institution yo, vu le fait que nous connaît pertinemment que c'est yon ambassade, c'est extension d'un territoire. Donc maintenant dans certains cas, ou capable diminuer nombre de d'employés et tout rappeler ambassadeur et moun qui dirige pour dans sens ça. Deuxième décision pour monsieur ta fait ou du reste dans même notre ça font appel à tout Haïtien de la caille et pour quitter la République dominicaine et quitter bénéficier de ouverture frontière à des fins humanitaires afin que Haïtien seulement qu'à sortir mais pas qu'à rentrer. Et cela veut dire que si on est capable de quitter des mondes pour liquider par exemple faire un pouillot, ça quitter un business, ça quitter un caille, ça quitter des bagages, et puis on y a préparé une commission d'accueil au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui pour permettre que les Haïtiens soient rentrés la caillou à tout honneur, de quel que soit rang, que tu es dans le rang d'investisseur, que tu es dans le rang de travailleur, que tu es dans le rang de Haïtien, que tu es dans le rang de. Là, on comprend que sénateur Jacques Sauvageon, donc c'est sur. Et c'est par WhatsApp qu'il a intervenu, donc si on l'a. Pour qu'on dise, on pourra le dispatch. Bien entendu, pour cela, il faut m'en parler avec Leonardo pour dire que la guerre est débloquer mon abri, débloquer Matissan, monsieur, la nation est en danger, puisque même nos bandits aussi ont appel à de ça n'a pas l'air là. Et c'est des Haïtiens à part entière, et nous, le moment venu que tout Haïtien est concerné, participation par eux, non seulement pour ça. Donc, je dis, d'accord, tout, il suffit qu'on ait un peu à la règle, et pour lui, donc, il y a un peu de temps à chien, l'habitude qu'on ait, et l'équipe chien. Mais maintenant, décision d'État qu'on ait, après notre affaire de sortie, c'est vous, monsieur, tu n'as pas clair qu'on ait frontière enfermée, officiellement, jusqu'à résolution, jusqu'à ce que nous jouions une solution à problème noir que nous avons toujours là. Vous songez on... Donc, reprenne Baptiste ça pour moi, sénateur Jacques Sauvageon. Reprenne Baptiste ça pour moi, sénateur Jacques Sauvageon. Donc, il faut que nous ayons une frontière à fermer jusqu'à ce que nous jouions une solution. Oui, une frontière à fermer jusqu'à ce que nous jouions un problème noir pour que nous ayons un peu de.
fini relation non seulement avec la République dominicaine, mais avec tous les pays, avec aussi l'association des malfaiteurs qui est retrouvée en Haïti, de l'association des diplomates haïtiens connus sous le nom de groupe. Ça veut dire que ça m'a parlé de qui, Jean, pour M. Taka aborder des questions au niveau de la République dominicaine. Il parle étendre tout au niveau du corps groupe, rapatrier tout, tout diplomate li, au niveau de ces pays, de la France, des États-Unis. Qui était seulement des mouns, comme nous d'adou, qui sont censés apparaître ou suivre. Cela veut dire que, deuxième aspect question, c'est qu'un des frontières enfermées jusqu'à ce que nous jouions solution à problème noir, qui c'est lui qui vrai souci nous. Nous souci principal, nous aujourd'hui en tant que nation, c'est pour ne pas perdre focus nous sur les enjeux du rapatriement de notre souveraineté. Ça veut dire que nous sommes pour nous capables de joindre aux gens pour nous résoudre le problème entre nous d'abord. Et je disais tantôt, au niveau du Parti des artistes et des paysans, un mouvement politique dont je suis un membre, moi, je fais une analyse, on l'a, sur une phrase que François Mitterrand prononce. Et je suis capable de toujours prononcer autre, de préférer le mot de Jacques Dessalines, c'est pas mieux. Mais il n'est pas toute l'heure que vous de traverser. Or, si les colons ont pu nous retenir en esclavage pendant tout ce temps, c'est parce que cette forme de compagnie. C'est pour vérifier qui positionne de camper et qui en côté qui était ouvert pour vivre, il faut prendre un modèle contre ça, qui a été d'agrément au cas même. Parce que tout dit, et en Mohamed Ali, vous faites tirer plier, vous carrez derrière pour garder François Mitterrand dit son groupe d'amis qui font mouvement et qui créent un petit bail de chance à des hommes d'État pour destiner un pays. Ils ont démarche en 5 étapes et ceci, ça t'a demandé qu'Ariel Henry rentre vite dans des massas, monter et revenir sur la proposition du Parti des artistes et des paysans que vous n'avez jamais entendu parce que vous êtes Montana, vous mandaragez, il y a de l'eau meilleure que vous comprenez, c'est l'être. Donc ce n'est pas tout de l'eau blanc qui c'est l'être. Il y a des l'eau mayoc que vous avez qui va le péter fielou. Et puis vous comprenez, c'est l'être. Et puis vous avez fait encore au moment d'enrager tout le monde pour aller payer sa chair. Mais là, c'est pour pas passer dans la formation d'un gouvernement d'unité nationale. D'unité nationale, sauf le monde qui n'est pas la donne, c'est des traites. C'est-à-dire le comportement d'un traite automatiquement mandé que ou éliminer. Le traite, quand on parle du traite, tu vois dans la phrase de la Dessalinienne, dans nos rangs, point de traite. La négation, point, est plus forte que ne pas, ne plus, plus, pas. La négation, point, est utilisée quand son bagage doit exister, son bagage qui pas doit exister, son bagage qui pas besoin jamais exister. Ça veut dire que le traite n'a pas sa place à ce niveau-là. Un gouvernement d'unité nationale, en faisant appel à tout le monde, même ça qui sentit que le plus coupable là, seul ça qui pour faire le pacala, c'est s'ils sont prêts. Donc, gouvernement, ça a ta doué prendre naissance, puisque Henry, pendant qu'il n'a pas de légitimité, ça a formule pour reprendre une légitimité patriotique, nationale, qui est capable de faire que de lui-même, il y a un héros, classé parmi les héros à un certain moment. Donc, et en consultation très rapide, parce que il n'y a pas même besoin de prendre le temps pour faire consultation, il compte tout le monde, il compte Bandio, il compte Grenegio, il compte tout le monde, il compte André Michel, il compte Moïse Jean-Charles, il compte tout le monde. Donc, vous faites une proposition claire devant la nation pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Cap gagne une seule mission. M. Pabgen pour venir bâtir pour, M. Pabgen pour venir l'école, M. Pabgen pour venir. Et gouvernement, ça, si monsieur voulait quand même présider l'autre, parce que au fond, c'est un petit job premier ministre que le groupe là-bas est là, et puis gouvernement, ça, si vous voulez le président. Mais cependant, c'est pour le capable de faire appel à Focio en une deux semaines, monter au gouvernement d'unité nationale. Car ils ont craint de monter une équipe constitutionnelle qui pour doter le pays d'une constitution. Et ceci est monté constitutionnel, ça, à mon avis, c'est adressé à des mouns qualifiés chacun en ce qui le concerne au niveau de tous les départements du pays, ça veut dire à l'échelle nationale pour faire des consultations que le gouvernement ça va le faire et la mise en place d'une équipe constitutionnelle pouvant donner naissance à une constitution qui gagne rapport
avec la constitution 1806 que Jean-Jacques Dessalines a été écrit, qui a odeur pour lui hier, canon Napoléon Bonaparte, qui a odeur nègre qui a sorti en achat de canne sanctissuaire, qui était vers terre, qui était Fort Liberté, 29 novembre, qui était férié, qui était dans Nord-Est, qui a écrit la constitution. Et puis, on a lu en 1804, le 1er janvier, à l'acte de l'indépendance. Il y a une phrase assez pour le reprendre. Mais une mise à jour de ces phrases, ça permet que nous sommes capables de comprendre que les temps ont changé et puis on fait mise à jour. Mais consultation, ça va être une naissance à l'équipe constitutionnelle. Ça a oublié que le gouvernement d'unité nationale ça a un délai pour que l'équipe ça, ça a un délai pour le point de la constitution qui est rapport avec la constitution 1806. Et à ce moment, peut-être. J'ai été choyé et. Yo te get a show en pile aye. Alors m'a kon soutande pléonas mwen. Mwen di bagay yo pi show que j'ai été ayer ya. Mais nous songe ayer yo te show en pile. Donc yo pi show que j'ai été ayer ya. Mais ayer yo te show en pile. C'est ça n'da ka rele bagay yo show et show net. Nan Moyen-Orient. Hein? Et là, nous risquons parti pour manquer mélange. Il n'a pas les dormants qui mélange, n'a pas les dormants qui mélange plus ou moins total. Je dis, eh bien, l'autre, embranchement par l'autre bord, dit lui même tout, lui pète balle, et au pète balle sous lui. Et entre temps, on l'autre organisation palestinienne utilise donc territoire voisin encore pour attaquer pays Israël, je dis, donc c'est extrêmement compliqué. Il m'a parlé de compliqué, à un niveau stratosphérique. Ou pas de mbouzin, même qu'à confirmer, c'est un zin compliqué et c'est énorme, ça qu'a passé là. Alors, moi retenu, et question, journaliste et télévision métropole, radio télévision métropole, t'as posé une question jeudi, hein. Et moi retenu, et y'a une question, yo. Fernando, est-ce que ça a une capacité pour t'a dégénérer en conflit global avec d'autres pays dans la zone? Et moi répond de manière alambiquée, moi dit la guerre, nous connons qui gens ça a commencé, mais pas gain aucun monde qui a dit qui gens la guerre fini. Ça qui signifie en même, c'est un Sengob qui en l'air. Il aime parler de Sengob en l'air. M'a parlé de Sengob qui est l'ovo et Sengob blanc. L'ovo, par contre, si la tonton, par contre, si la palmis. Parce que situation, là, dans le Moyen-Orient, c'est une situation qui baille, qui est sautée, qui baille, qui est cassée. Et pas oublier dans la zone, non? Il y a ce qu'on appelle les emmerdements. C'est l'expression que j'ai utilisée à Radio Télémétropole aujourd'hui. Les emmerdements ne sont jamais loin, Kendi François. Les emmerdements. Kendi François a dit, Fernando, m'guette pas d'agir n'importe 10 côtés, là. Partagez, petite garçon. Eh ben oui, les emmerdements ne sont jamais loin. Alors, dans moun ki mouri yo, 900 moun ki mouri en Israël yo, pour pépiti 11 là dan yo, c'est citoyens américains. Selon ça, ministère affaires étrangères pays les États-Unis, avec ambassade américaine dans Jérusalem, confirmé. Donc, gen pour pépiti dans 900 moun ki mouri en Israël là, au moins 11 là d'ailleurs ces citoyens. L'armée pays Israël, eh bien l'armée pays Israël entre tout en action et a fait des bombardements offensifs et des bombardements intensifs